La convention d'investiture du docteur Albert Mabritwakeus, comme candidat de l'Union pour la démocratie et la paix, UCI, au scrutin présidentiel du 31 octobre 2020, se tiendra ce vendredi 28 août 2020, au Palais de la Culture d'Abidjan-Traichville. Investiture de Mabritwakeus, UCI, la grand-messe ce vendredi 28 août. Mabritwakeus recevra, à l'occasion, le quitut de l'UCI pour croiser le fer avec Alassane Ouattara, son ancien allié, à ce scrutin qui verra la participation d'Henri Conan Bédier, candidat du PDCI. À travers cette convention d'investiture, le parti arc-en-ciel tentera de faire une démonstration de force face au RHDP, parti au pouvoir, qui, par la voix de son secrétaire exécutif, Adama Bittogo, ne cesse de minimiser la capacité de mobilisation du parti fondé par feu le général Robert Guéhi. Pour y parvenir, Albert Mabritwakeus et son parti pourront compter sur l'engagement d'hommes de valeur, notamment Jean Blé Guirao, fraîchement promu à la tête du secrétariat général du parti, en remplacement du ministre Laurent Chabat, qui a viré au RHDP. C'est le 2 août 2020 que l'UCI et son président Albert Mabritwakeus ont officiellement claqué la porte de la coalition au pouvoir, lors d'un bureau politique tenu à Abidjan. Désormais hors du RHDP, le parti croit fermement en ses chances de créer la surprise au soir de la prochaine élection présidentielle. Nous pensons que le moment est venu de faire l'offre à nouveaux Ivoiriens pour consolider les bases de la paix. 2010 n'est pas 2020. Je pense que nos chances sont très grandes, pense Mabritwakeus. Désigné candidat de l'UCI à l'issue du bureau politique du 2 août dernier, Mabritwakeus devrait bénéficier ce vendredi de toute l'onction des militants de son parti, avant le dépôt de sa candidature à la CEI.